Alors, cette fois-ci, c'est la danse des débutants. Alors, les débutants, alors, ouais, je voulais vous faire remarquer quand même que je vais beaucoup mieux. Le corona, il est passé. Je pense qu'on sera les premiers à sortir, vu que il semblerait qu'on l'ait eu. Donc, on sera déconfinés avant vous. Mais bon, en fait, ça, c'est, voilà. Ça, c'est ma vue à moi. Je voulais vous dire aussi que vous avez remarqué, j'ai assorti mes chaussettes à mon t-shirt. C'est pour que vous vous rappeliez que la première semaine, j'étais avec un t-shirt français de Guillaume. La deuxième, j'avais un t-shirt tout blanc. Et la troisième semaine où je vous fais la vidéo, je me suis mise en rose. Parce que je fais pas ma mèche rose. Parce que ma mèche, c'est pas la peine que je mette du gaspille du produit pour les chiens. Donc, par contre, regardez, j'ai mis des diamants. Vous avez vu? Des diamants. Des nouvelles commandes, j'adore les diamants. Bref, donc voilà. Donc, on va faire aujourd'hui une petite chorégraphie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Una Noche. Le chorégraphe, il n'est pas très très connu, mais il en fait quand même pas mal. Il s'appelle Homme Pardi. Je pense que c'est un Malaisien ou quelque chose comme ça. Vous n'aurez qu'à chercher dans Google. Pas de tag, pas de restart, rien. Par contre, dans la chorégraphie, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, que vous n'avez peut-être même jamais fait. Ça s'appelle un diamant. Bon, le diamant, c'est un grand nom, ce n'est que de la marche. Alors, vraiment de la marche. Le diamant, il peut faire un tour complet, un demi-tour ou un quart de tour. Voilà. Là, notamment, il va faire un quart de tour. Et donc, voilà. Donc, mais vous allez voir, c'est facile, c'est facile. Donc, on commence. On commence, c'est une 32 comptes. Bon. Franchement, il n'y a pas de difficulté à part le diamant. Donc, on y va. Je fais un mambo avant du pied droit. Je fais un coaster step du pied gauche. Et je fais un cross samba. Donc, cross side rock. Et pareil à gauche, cross side rock. Mais ce cross side rock, ça s'appelle un cross samba. Pourquoi? Parce que je vais essayer, c'est du latino, et c'est une samba, et je vais essayer de lui donner un peu le style de la samba. Donc, ça fait mambo devant, coaster step, et cross samba, et cross samba. D'accord? Donc, si je fais avec les comptes, ça fait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. C'est là qu'on va faire le diamant. Donc ce diamant, il va faire un quart de tour sur la droite, puisque mon pied qui est libre, c'est le droit. Donc si, c'est plus facile de partir sur la droite. Hein. Donc je vais faire un quart de tour, mais je vais mettre 8 comptes pour faire un quart de tour. Donc je vais faire, croise le droit sur le gauche, recule le gauche dans la diagonale, recule le droit dans la diagonale, recule le gauche dans la diagonale. Mets ton pied droit à droite, ça y est, j'ai fait mon quart de tour, et mets ton pied gauche devant. Donc je refais ça. N'oubliez pas, c'est un diamant, donc je vais travailler dans les diagonales. La diagonale, là, ben, c'est forcément celle-là, puisqu'il ne fait qu'un quart de tour. Donc je vais travailler que dans une diagonale. Donc, je croise, diagonale, 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 côté. Devant, j'ai fait un quart de tour. Je croise le droit, je recule le gauche, je recule le droit, je recule le gauche, le droit à droite et le gauche devant. Sauf que c'est du syncopé. Donc ça fait 1 et 2, 3 et 4. Ça va? Et 5 et 6, 7 et 8, ben, il n'y a rien de plus facile. Mambo à droite et mambo à gauche. Donc je refais ça, les diamants. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Donc je refais depuis le début. On a fait 16 comptes, il y en a 32, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de liste. 7, 8, 1 et 2. 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8.
La suite, très facile. Step, n'oubliez pas qu'on travaille en ouverture, hein, pas comme ça les steps. Hein. Donc, step, turn. Mon poids est sur le pied gauche. Shuffle droit. Shuffle droit. Comme c'est du latino, faites des locks. Step, lock, step. Donc, ça fait, si je reprends les comptes, ça fait 1, 2, 3 et 4. 5, 6, je marche. Marche le gauche, marche le droit. Et 7 et 8, encore un lock. 7 et 8. Donc, si mes locks, j'appelle ça des shuffles, ce qui revient au même, mais c'est dans l'image. Moi, si je dis shuffle, c'est pas grave. C'est un chassé avant, voilà. Sauf que je le fais en lock parce que c'est du latino. D'accord? Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4. Marche, marche. 7 et 8. Ça va? On reprend depuis le début? Allez, depuis le début. 7, 8. Mambo devant. Coaster step. Cross en bas, cross en bas. Le diamant. Quart de tour. Mambo à droite et mambo à gauche. Step, turn, shuffle droit. Marche, marche, shuffle gauche. Je vous refais la même chose, mais avec les comptes. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Ça va? Ben, il manque plus que 8 comptes. Seulement, j'ai oublié. Ah oui, c'est ça. Step down, shuffle. C'est ça. Donc, surtout, n'oubliez pas de toujours savoir d'où vous partez et où vous allez. Je suis sur quel mur? Je ne regarde pas mes pieds, je regarde mon mur pour savoir d'où je suis parti et où je vais. Regardez, je pars de midi. Je fais mon mambo et mon coaster. Je fais mes deux cross en bas et je suis toujours à midi. Je fais mon diamant. Croise, recule, 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 côté, devant. Ah, je suis à 3 heures. Mambo droit et mambo gauche. Je fais un step turn. Ah, je suis à 9 heures. Je fais un step lock step. Marche, marche et un step lock step. Donc, je suis à 9 heures. Je vais faire un step turn. Encore une fois. Step turn. Je vais faire un shuffle, enfin un lock, un shuffle droit. Je vais faire un side rock et un cross shuffle. Donc, les 8 derniers comptes, ça fait step demi-tour. Shuffle droit, side rock gauche et cross shuffle. Si je compte ces comptes-là, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et la danse est finie. Donc, je suis partie de midi. J'ai fait une petite incursion à 3 heures avec mon diamant. Puis, j'ai fait un demi-tour et j'ai fait une incursion à 9 heures. Et puis, finalement, j'ai refait un demi-tour pour finir ma danse à 3 heures. Donc, je suis partie de midi, je suis allée à 3 heures, de 3 heures, je suis allée à 9 heures pour finir à 3 heures. D'accord? Donc, ça revient au même. Si ça, c'est midi, je pars de midi. À la fin de mon diamant, je suis à 3 heures. À la fin de... Je vais finir à 9 heures. Pour finir de nouveau, finalement, à 3 heures. D'accord? Alors, je vous refais une deuxième fois la chorégraphie sur le deuxième mur, qui est donc celui de 3 heures. Mais qui maintenant va être midi. Bon, ça me fait toujours rire. Bon, on y va. Ça fait mambo avant et coaster step. Et cross en bas et cross en bas. Le diamant quart de tour. Donc quart de tour sur la droite. Donc je vais aller à 6 heures.
Je croise. Recule, recule, recule. Côté, devant. Donc, si je compte le diamant, ça fait 1 et 2, 3 et 4. Mambo, mambo. 5 et 6, 7 et 8. Step turn, 1, 2, shuffle droit, 3 et 4, marche, marche, 7 et 8. Et les 8 derniers temps, step turn, step lock, step, side rock et cross shuffle. Voilà, vous avez votre danse de la semaine.